Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble une petite vidéo sur le nouveau Victor Reader Trek et on va voir la recherche Wikipédia dans un premier temps. Ensuite nous verrons ensemble la recherche dictionnaire. Cet appareil est connectable au Wi-Fi. Vous allez pouvoir aussi le connecter à votre smartphone à l'extérieur via le partage de connexion. Ce qui veut dire que vous avez toujours Wikipédia sur vous. Ainsi que vous avez toujours un dictionnaire à portée de main. Et dans cet appareil, ça tombe bien, c'est existant. Donc on va voir tout de suite ensemble comment s'en servir. Nous verrons par la suite une vidéo sur l'intégralité des réglages du GPS du Victor Reader Trek, comment le régler, l'intégralité des menus. Alors dans un premier temps, lorsqu'on allume l'appareil, on a une petite vibration qui nous dit que l'appareil a bien été mis en marche. Bienvenue à Victor Reader. Orientation. Recherche de satellite en cours. Connecté au réseau Wi-Fi. Si vous allumez donc votre appareil et que vous avez laissé le GPS en route, automatiquement, il se met en mode recherche GPS. Ça, c'est automatique. Nous, on va sortir du mode GPS avec donc le bouton central tout là-haut qui permet de le mettre en mode avion, qui permet de le mettre en mode Wi-Fi et qui permet de le mettre en mode GPS. Ici, tout de suite, on va sortir du mode GPS en appuyant une fois dessus. Catalogue local. Note. 1. Note. 1. On va rappuyer une seconde fois. Catalogue en ligne. Référence. 0. Fichier. Rechercher sur Wikipédia. Voilà, donc on peut rechercher sur Wikipédia. Ou si j'appuie sur la touche 6. Recherche avec dictionnaire. Wikipédia ou dictionnaire. Ce qui va nous intéresser, ça va être Wikipédia. Rechercher sur Wikipédia. Ici, pour valider, on va servir de la touche dièse du pavé numérique. On a la touche étoile qui, elle, permet d'annuler ou revenir en arrière. On va valider sur la touche dièse sur Wikipédia. Entrez le texte à rechercher. Une fois que vous avez validé, on est bien positionné dans une zone d'édition au niveau de Wikipédia et on va lui marquer, ici par exemple, j'ai. Le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est la confirmation que l'on a bien marqué la lettre G. Maintenant, on va aller sur P Q R S. Et voilà, on a donc marqué GPS. Ici, la preuve, si je fais un coup sur la flèche droite, complètement en bas à droite. GPS. Parfait. Je valide avec la touche dièse. Résultat trouvé, 50. 1. GPS. Recours au système GPS. GPS différentiel. Amélioration du système GPS. Appuyez sur écoute arrêt pour lire l'article complet. Si je veux avancer dans les différents items de la recherche, au début, il nous a dit que nous avions 50 résultats sur cette recherche. Je veux appuyer sur la touche 6. 2. Global Positioning System. Pour les articles homonymes, voir GPS. Le Global Positioning System, GPS, en français Système Mondial de Positionnement, littéralement, ou Géopositionnement. Appuyez sur Écoute Arrêt pour lire l'article complet. Alors, elle nous dit d'appuyer sur Écoute Arrêt. La touche Écoute Arrêt est la touche carré en bas, tout en bas, qui va permettre de lancer la lecture de l'article sur Wikipédia. Alors, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. En plus donc d'avoir un GPS, vous avez une encyclopédie sur vous à part entière du moment où vous serez connecté au réseau Wi-Fi. Veuillez patienter. Présentation, modifié par modifier le code. Le GPS comprend au moins 24 satellites orbitants à 20 200 km d'altitude. Ces satellites émettent en permanence sur deux fréquences L1, 1575,42 MHz, et L2, 1227,60 MHz, modulés en phase, BPSK, par un ou plusieurs codes pseudo-aléatoires, datés précisément grâce à leur horloge atomique, et par un message de navigation. Alors, on peut faire, bien sûr, une pause à partir du bouton Play d'en bas. On peut, par exemple, si on appuie sur la touche 2, écran, niveau 3, niveau 2. On peut donc naviguer par niveau, c'est-à-dire qu'on peut naviguer par différents en-tête, par texte, par ligne, par phrase,
Par paragraphe. Caractère. Épelé. Mot. Phrase. Ligne. Paragraphe. Écran. Une fois qu'on est positionné par exemple sur le niveau 2, je vais faire un coup de flèche à partir de la touche 6. Histoire, modifier barre modifier le code, image, question book-4.svg. Cette composition, modifier barre modifier le code, le GPS se compose de trois groupes d'éléments, appelés segments, des satellites en orbite autour de la Terre, segments. Une fois que j'ai fini de lire ma recherche, je peux appuyer sur étoile pour revenir en arrière. 2. Global Positioning System. Annulé. Catalogue en ligne. Référence. 0. Fichier. Rechercher sur Wikipédia. On va rechercher maintenant sur dictionnaire. Flèche droite. Recherche avec dictionnaire. Je valide. Entrez le texte à rechercher. GPS. GPS. Alors, on va supprimer. S. P. G. Et pour supprimer, je fais simplement la flèche gauche qui se trouve tout en bas à gauche. Dans le dictionnaire, je vais rechercher par exemple un mot. Alors vous allez voir, je vais essayer d'écrire assez vite. A, B, P, Q, R, A, G, H, I, J, K, L, J, K, L, D, E. Et je pars sur ma recherche. Résultat trouvé, 50. 1, braille. Voir aussi, braille, braillé, nom commun 1, du nom de famille de son inventeur, Louis Braille. Nom commun 2, du verbe brailler, au sens de saler. Appuyez sur écoute arrêt pour lire l'article complet. Alors, tout est gérable au niveau de la synthèse vocale. On est sur une voix d'acapella Manon, la rapidité de lecture, l'intonation, etc. La rapidité. Alors, pour les régler, on se positionne sur le bouton marche arrière en faisant un petit coup. Vitesse. Vitesse. Et là, je vais faire flèche bas du volume. Vitesse. Moins 1. Tonalité. On peut régler la tonalité. Volume. Et le volume. On va continuer la lecture. Synonyme 1.2.3 vocabulaire apparenté par le sens 1.2. Voilà déjà ce que vous pouvez faire avec votre Reader Trek. La navigation sur Wikipédia, la recherche sur dictionnaire, deux mots. Vous pouvez naviguer à l'intérieur comme à l'extérieur avec ce système-là. C'est vraiment très pratique lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous êtes professionnel, quand vous devez rechercher des définitions bien précises. Et en plus, avec ce Victor Reader Trek, on va voir dans la prochaine vidéo comment régler l'intégralité des paramètres du GPS, comment créer une route. Ici, c'était juste la présentation du Wi-Fi jumelé avec Wikipédia et le mode dictionnaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous pour continuer à suivre tous ces tutos, présentations et démos. Likez la vidéo, partagez-la. Pensez bien donc à vous abonner, c'est important. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.